ce matin en tête, je pensais vraiment pas me retrouver deuxième ce soir comme ça. Mais ouais, je suis arrivé sur le parcours. Déjà, je fais un bon birdie au 1 et je rentre un bon putt. Du coup, ça m'a mis en confiance. Je fais des birdies quand même tôt dans la partie. Je passe 4 under, donc 32 sur le front. Donc, je me suis dit que c'était possible. Je voyais que William était derrière. Après 9 trous, il avait 2 coups d'avance. Puis j'ai vu qu'après 15, il n'y en avait plus qu'un. Et je savais qu'il était 4 under au départ du 18 quand j'avais signé ma carte à 66, donc 3 under total. Et ouais, je l'ai regardé au 18 pour voir ce qu'il faisait. Et j'ai vu qu'il faisait bogey et on est parti en playoff. Malheureusement, j'ai perdu, mais quand même très fier de ma performance aujourd'hui et ce week-end. J'ai vraiment bien commencé. Les 3 premiers trous, j'étais moins 2 après 3. Après, j'ai fait quelques bogeys sur les 4e et 5e trous. Puis j'ai fini le 9 à even. Et puis sur le back 9, j'ai vraiment bien frappé. C'était des bons coups de fer, des bons tee shots. J'ai joué even sur le back 9. Les potes aussi, ils étaient proches. Mais c'est une bonne ronde pour la dernière ronde. C'est une bonne ronde. J'avais pas frappé le bon club là, le matin sur ce trou-là. J'étais un peu short, donc je savais que c'était un club de plus, ça allait être parfait. Juste le mettre sur le green, puis essayer de faire un bird, c'est ça le plan. J'étais un petit peu plus loin que je voulais, mais c'était deux bons potes que j'ai fait, et puis j'étais vraiment content.